Putain, c'est un truc de ouf. Je suis choqué. On a vraiment deux visages de Barranquilla. Et là, regarde, dans un centre commercial, on a l'impression d'être en Europe ou d'être aux États-Unis, alors que on a vu vraiment le côté le plus démuni, tu vois, les quartiers défavorisés de Barranquilla. Et c'est impressionnant de voir que dans la même ville, bah, t'as vraiment l'impression d'être dans deux pays qui sont complètement différents en fait. Autant dans des pays, tu vas avoir des différences, mais là, c'est vraiment un autre niveau. Franchement, c'est triste à voir. Tout n'est pas comme en Europe, tout n'est pas rose partout, quoi. Après émission de télévision, titres mondiaux et tournée internationale, ce groupe de jeunes street dancers appelés The Rookies part pour de nouvelles aventures au centre de l'Amérique latine. Un seul credo, forever student. Fin des péripéties. Grâce à l'Alliance française de Bogota, l'équipe est au grand complet. Ça y est, après moult péripéties, Nhox est enfin là. Ah, si vous saviez comment j'ai galéré pour arriver jusqu'ici. Franchement, c'est toujours un réel plaisir de bosser avec l'Alliance française. Ces derniers m'ont grave aidé pour que j'arrive en Colombie, et en plus de ça, aujourd'hui, grâce à eux, on va aller rencontrer les danseurs de Barranquilla. L'Alliance française, c'est un réseau de 832 associations qui enseignent le français et qui font la promotion de la culture française, des cultures francophones, et qui font la promotion des échanges aussi interculturels, tu vois, entre la culture du pays et la culture française. Ah, moi j'aime trop ce genre d'ambiance. On arrive, il y a directement un cypher. Ah, vous nous connaissez, hein? Nous on est allé direct. Il y a du break, de l'afro, de la house, même du voguing, du wack. J'ai tout vu. Montre-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Il n'y a pas meilleur moyen de se présenter en vrai. Donc on a fait connaissance comme ça. L'ambiance est tellement folle que ça nous a rapprochés directement. Bon, le soleil commence un peu à se coucher, et je pense qu'il est temps de parler un petit peu. Du coup, c'était l'occasion pour eux de nous montrer leur création chorégraphique, qu'on en discute et qu'on voit comment on pouvait les aider à notre niveau. Vos mouvements à vous, ok? Maintenant, le but, c'est d'aller plus loin dans la recherche, donc comment vous essayez du coup de passer, par exemple, d'un mouvement qui est en haut à en bas. Para poder realizar. Sí. Je vous traduis. Ouais, en gros, il dit, quand il nous a vu danser, on a voilà des styles différents. Et pourtant, quand on arrive à danser ensemble, et bah, genre, on danse de la même manière. Lui, il explique qu'il n'y a que des b-boys dans son groupe et que lui, c'est le seul qui va faire justement de la choré house, hip-hop. Por ejemplo, tú bailas solo, pero las personas que están contigo podrían bailar y hacer algo que mejora el grupo. Mais tout d'un coup, la discussion, elle a vrillé. On se rend compte que tous les groupes de Barranquilla ne sont pas soudés. Et c'est dommage parce que la base du hip-hop, c'est peace, love, unity, and having fun. Et c'est marrant parce que ça rappelle un peu l'histoire des Rookies. Chacun était dans son groupe et au final, on s'est unis tous sur la même manière. Et maintenant, on travaille ensemble et on est bien ensemble. Je suis persuadé que ça marcherait forcément pour eux. Et ça pousserait encore plus haut le mouvement, la culture hip-hop de Barranquilla. Les gens, ils sont devenus hyper sincères entre eux, pas forcément vis-à-vis de nous, tu vois, mais vraiment vis-à-vis de eux-mêmes, entre groupes, et ça disait, regardez, on est divisés, alors que si on serait unis, Barranquilla, ce serait vraiment un autre niveau. Comme ça, la compétition, tu comprends
qu'ils sont un grand groupe qui représente le hip-hop. J'ai la farce, yeah, yo j'vais la win. Soulever la coupe, pour me faire le signe.